Bible, dans le livre de... Prenez votre Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 23 à 27. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous commençons. Voilà. Actes chapitre 19, versets 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit que il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme, Démétrius, orfèbre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Verset 26. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane, notez grande déesse Diane, ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier: Diane est la grande, grande est la Diane des Éphésiens. Que la parole du Seigneur soit bénie. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voilà, soyez bénis, vous tous qui êtes là. Les autres nous prendront sûrement en route. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de délivrance. Et aujourd'hui, nous prêchons la suite de notre message sur comment vaincre l'esprit de la sirène des eaux, suite et fin. Je veux commencer ce message en disant que nous voulons donner la gloire à Jésus, l'honneur, la célébration. Nous voulons élever le nom de Jésus parce que Jésus est notre Seigneur. Et c'est lui qui, dans la grande commission, nous a demandé d'imposer les mains, de chasser les démons, de guérir les malades. Et c'est lui qui, dans la grande commission, nous a demandé de proclamer son nom, de proclamer sa parole, afin que tous ceux qui sont sous les liens du diable, que l'Éternel puisse les délivrer. Et donc ce soir, je veux élever son saint nom, je veux glorifier son saint nom, je veux lui conférer encore la majesté, la royauté. Et comme je l'ai dit hier, Jésus-Christ est notre Dieu. Voilà, donc si tu es là, tu mets amen, et que la grâce et l'honneur lui reviennent. Soyez bénis. Voilà, donc si tu es là, tu mets amen et puis je vais commencer. Mets amen et puis je commence. Mets amen et je commence. Voilà, les autres vont nous prendre en route. Mets amen et je commence. Mets amen et je commence. Voilà, mets amen et je commence. Comment vaincre l'esprit de la sirène des eaux, suite et fin. Voilà, si tu es là, mets amen et je commence. Aujourd'hui, nous allons essayer de récapituler ce que nous avons vu hier et directement attaquer les manifestations. Et après les manifestations, nous allons arriver au niveau de comment les vaincre. Arriver au niveau de comment les vaincre. Voilà. Et donc, je veux dire à quelqu'un que hier, pour tous ceux qui étaient là, nous avons pris un test de base. Et le test de base était contenu dans le livre de Juges, chapitre 16. Juges, chapitre 16, versets 18 à 23. Où nous avons parlé de Samson et de Dalila. Et j'ai essayé d'expliquer ce que c'était que la sirène des eaux. Et je vous ai dit que de manière littéraire, de manière biblique, ce n'est pas noté dans la Bible, mais quand vous prenez le verset 23 de Juges chapitre 16, ce verset-là nous parle de Dagon, un dieu qui était vénéré, adoré par les Philistins. Et je vous ai dit que les Philistins étaient un peuple qui habitait au bord de la mer. Ce peuple a cohabité pendant longtemps avec les enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à la terre promise, alléluia. Et quand vous lisez le livre de Juges, le Juges chapitre 2, vous allez voir que Dieu, par la bouche d'un prophète, a dit aux enfants d'Israël: comme vous ne suivez plus mes voies, comme vous ne marchez plus comme je veux, voilà, les peuples, je ne vais plus chasser les peuples
que vous allez rencontrer la terre promise, mais ces peuples-là seront utilisés par moi pour vous servir de test. Voilà, ça veut dire que je vais utiliser ces peuples-là pour vous mettre à l'épreuve. Et parmi ces peuples que Dieu a utilisés pour mettre les enfants d'Israël à l'épreuve, il y avait le peuple des Philistins. C'était un peuple guerrier qui connaissait déjà l'industrie et l'art de la guerre. C'était un peuple qui savait déjà utiliser le métal, le fer. Et c'était un peuple qui utilisait des lances, des boucliers. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir, lorsque David, voilà, confronte Goliath, Goliath avait une armure, Goliath avait une lance, Goliath avait une épée. Donc c'était un peuple de guerre. Et ce peuple-là avait la particularité d'adorer un dieu. Et ce dieu-là était appelé Dagon. Dagon était un dieu, voilà la représentation de Dagon. Il avait le buste d'un poisson, le haut d'un homme ou d'une femme. Alléluia, il avait un temple. Et ce temple-là servait d'adoration. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la représentation dans le monde spirituel de la sirène des eaux, alléluia, elle est représentée dans le monde spirituel comme une, de manière hybride. C'est-à-dire qu'elle est mi-poisson, mi-homme. Et je vous ai dit qu'elle était sur la triptyque de l'homme, des animaux et de l'esprit. Voilà. Et je vous ai dit que de manière humaine, alléluia, elle pouvait apparaître physiquement aux hommes de manière animale. Voilà, elle pouvait apparaître sous la forme d'un taureau. Alléluia. Et de manière spirituelle, elle pouvait apparaître dans les songes. Quelqu'un qui est là, il met amen et puis je continue. Mais amen et je continue. Invitez vos amis, taguez-les, mettez les cœurs que voilà, la vidéo ne soit pas coupée, ne soit pas bloquée. Invitez vos amis, mettez les cœurs s'il vous plaît. Alléluia. Et donc, je suis en train de vous dire que cet esprit-là est appelé en Afrique de l'Ouest. Voilà, quand vous prenez depuis le Bénin, la Côte d'Ivoire, et vous montez en Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest était appelée Mami Water, alléluia, ou Mami Wata. Au Ghana, elle était appelée Mami Water. Et je vous ai dit qu'au Suriname, elle était appelée Ouattara Mama. À Grenade, Mama Joe. Au Brésil et à Cuba, Yemaya. Voilà, elle était appelée en Martinique, La Mante. Elle était appelée en Guadeloupe, Maman de l'eau. Aphrodite en Europe ou Diane, comme vous avez vu dans le deuxième test que nous avons pris. Alléluia. Et donc, je vous ai expliqué que cet esprit a une particularité, parce que cet esprit-là, alléluia, est un esprit qui est orgueilleux. C'est un esprit de perversion, un esprit de séduction. Alléluia. Et ce démon-là, c'est une principauté. Voilà. Je vous ai dit que dans le monde satanique, voilà, dans le règne satanique, elle occupe une place prépondérante parce que c'est à elle qu'appartient le pouvoir, voilà, de la divination, le pouvoir de la révélation, le pouvoir de la prophétie. Et toutes les sectes, elle est la mère de toutes les sectes. Et tous ceux qui veulent utiliser la prophétie dans le monde des ténèbres sont obligés de faire un pacte avec elle. Quelqu'un est là, il met amen et puis je continue. Je suis en train de rappeler ce que nous avons vu hier, voilà, pour que nous soyons au même niveau. Et je vous ai dit hier qu'elle pouvait arriver dans la vie d'un être humain par le lien de sang. Alléluia. Voilà, parce qu'on appelle le lien du cordon ombilical ou ce qu'on appelle le lien héréditaire. Je vous ai dit qu'elle pouvait arriver dans la vie d'un homme, alléluia, par les pactes sexuels, par des actes sexuels. Elle pouvait arriver dans la vie d'un homme, alléluia, par des ornements, des effets, par la nourriture consacrée, voilà, à elle, par ses sacrificateurs, parce qu'elle a un temple, elle a des adorateurs, elle a des sacrificateurs, elle a des prêtresses, alléluia. Et je vous ai dit aussi que elle pouvait, cet esprit-là pouvait entrer, posséder quelqu'un par les objets qui lui étaient consacrés au travers. Voilà, je vous ai dit que quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui est attrait à l'industrie sur la terre, tout ce qui est attrait à l'industrie, 90% de tout ce qui est attrait à l'industrie sont des choses qui sont pensées et conçues dans les fonds marins. Quelqu'un est là, il met amen et puis je continue. Conçues dans les fonds marins. Je vous ai dit aussi hier qu'elle avait des lieux qui étaient consacrés, qui lui étaient consacrés, tels que des temples, des maquis, des bars, voilà, elle a des lieux qui lui étaient consacrés. Donc, vous savez, le fait de partir dans un lieu qui lui est consacré, cet esprit-là peut vous posséder. Alléluia. Voilà. Et donc, j'ai essayé de récapituler. Aujourd'hui, nous allons parler des manifestations. Comment cet esprit se manifeste lorsque elle rentre dans la vie de quelqu'un? Comment cet esprit se manifeste? Dans le test que nous avons lu tout à l'heure, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous devez savoir que nous avons pris le test de Actes chapitre 19. Voilà, Actes chapitre 19, verset 23 à 28. En Actes chapitre 19, verset 23 à 28, dans le texte que nous avons lu, il est noté qu'il y avait un homme qu'on appelait Démétrius. Démétrius,
voilà, qui était un homme qui avait la connaissance de tout ce qui était orfèvre, qui avait la connaissance, qui savait travailler le métal pour en faire des orfèvres. Et la particularité de ce Démétrius-là, voilà, est qu'il faisait des représentations de Diane, voilà, à Éphèse, il faisait des représentations de Diane pour vendre. Et donc, c'était une industrie. Et il travaillait pour le temple de Diane. Alléluia. Et lorsque ils ont entendu que l'apôtre Paul, par son évangélisation, lorsqu'ils ont entendu que l'apôtre Paul, Dieu l'utilisait puissamment afin de mettre à nu les œuvres des ténèbres, parce que Paul, dans Éphèse, dans toute l'Europe, Paul a commencé à prêcher l'évangile, à annoncer qu'il n'y a qu'un vrai Dieu, et le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et que tous les dieux faits de main d'homme sont des faux dieux. La Bible dit que ce Démétrius-là a harangué la foule. Ce Démétrius-là a permis que tous ceux qui bénéficiaient de cette industrie, tous ceux qui se nourrissaient de cette industrie-là, ont commencé. C'est comme une transe qui est tombée sur ces personnes-là. Et la Bible dit qu'il y a eu un grand tumulte. Donc, je vais dire à quelqu'un que si nous parlons de manifestation de cet esprit dans la vie des hommes, vous devez savoir que cet esprit-là peut posséder les hommes jusqu'à à créer ce qu'on appelle des transes. Alléluia. Donc, en un, cet esprit possède des hommes. Alléluia. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Cet esprit-là peut posséder des hommes jusqu'à à ce que ces personnes-là qui sont possédées par ces esprits-là, alléluia, puissent tomber en transe. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez en acte chapitre 19, verset 28, on dit que si ces personnes ont été tombées en transe et ils ont commencé à crier grande et Diane. Ça dit Diane, c'est la représentation de la sirène des eaux. C'est une appellation de la sirène des eaux. Avant, dans le monde grec, voilà, elle était appelée Diane. Voilà, que Dieu vous bénisse. Elle était appelée Diane. Donc, Diane était une représentation de la sirène des eaux. Et vous voyez, là, cet esprit l'avait possédé. Tous ceux qui étaient ses adeptes. Voilà, et ils étaient en train de créer ce qu'on appelle un tumulte. Donc, je vous ai dit, pour ceux qui m'ont écouté hier, que s'il y a un ennemi farouche aux chrétiens, un ennemi farouche aux enfants de Dieu, c'est la sirène des eaux. S'il y a un ennemi farouche, ça veut dire que si vous êtes un chrétien ou une chrétienne, votre premier ennemi, c'est la sirène des eaux. Pourquoi? Parce que le diable a posé la sirène des eaux dans les fonds marins, il a posé la sirène des eaux dans les océans, il a posé la sirène des eaux dans les marigots, il a posé la sirène des eaux dans les fleuves, il a posé la sirène des eaux dans les lacs. Et je vous ai dit hier, pour ceux qui m'ont écouté, que si la terre tourne autour du soleil, si la terre est influencée par le soleil, la lune influence la mer. Et vous devez savoir que tous les cours d'eau viennent à la mer. Tous les cours d'eau viennent à la mer. Alléluia. Donc cet esprit-là peut vous posséder, c'est-à-dire peut prendre possession de vous jusqu'à ce que vous ayez des trans. C'est pour ça que je vous ai dit hier qu'elle a des prêtresses. Elle a des prêtresses. Je vais dire quoi? Je vais dire qu'elle a des personnes, voilà, qu'elle utilise pour donner des messages. Lorsque ces prêtresses-là sont en transe, elles ont la capacité de donner des messages. Elles ont la capacité de prophétiser. Alléluia. Elles ont la capacité de prophétiser. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes, par exemple, qu'on appelle des combien. Voilà. Je ne sais pas si dans d'autres nations, il y a ces femmes-là. Elles utilisent des clochettes. Elles utilisent des miroirs. Alléluia. Et elles ont la capacité de prédire l'avenir. Elles ont la capacité de prédire le passé. Mais cet esprit-là utilise ce qu'on appelle l'esprit de nécromancie. On va voir ça plus tard. Elle utilise l'esprit de mort pour prophétiser. Donc, un, elle peut posséder les gens. De deux, voilà, cet esprit-là, je vous ai dit que cet esprit agissait à partir d'un pacte. Et donc, là où il y a un pacte avec la sirène des eaux, alléluia, la manifestation directe, c'est que c'est la perversion. Regardez un peu, pour ceux qui m'ont suivi hier, lorsque je vous parlais de Samson. Je vous ai dit que Samson était un homme qui était consacré depuis le sein de sa mère. Samson était un homme qui était consacré depuis le sein de sa mère. Mais Samson est allé coucher avec Delila. Alléluia. Delila qui tenait un commerce de prostitution, qui tenait une maison de prostitution. Delila qui était une prostituée de luxe. Alléluia. Et Samson pensait que l'esprit de force pouvait dompter Delila, pouvait dompter la sirène des eaux. Je vous ai dit que l'esprit de force ne peut pas dompter la sirène des eaux, que là où il y a le péché sexuel, la Bible nous demande de fuir. Quelqu'un met amen et puis je continue. La Bible nous demande de fuir. Alléluia. Vous voyez, Samson était un homme qui était fort. La Bible dit qu'il était puissant, il était consacré. Depuis sa naissance, le rasoir n'était pas passé sur ses cheveux.
Alléluia. Mais quand vous lisez le texte que nous avons pris hier, en Actes chapitre 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 23, elle a conquis le cœur de Samson et jusqu'à ce que Samson lui révèle son secret. Donc, c'est un esprit, alléluia, qui, lorsque cet esprit-là possède une personne et que vous avez des rapports sexuels, des relations sexuelles avec cette personne-là, votre cœur s'attache automatiquement à la personne. Votre cœur s'attache automatiquement à la personne. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens, quand vous sortez avec eux, c'est très difficile de vous défaire de ces personnes. Je dis, il y a des gens, si vous êtes sorti avec eux, voilà, souvent même vous ne savez pas pourquoi vous êtes sorti avec ces personnes, mais quand vous vous mettez avec ces personnes-là, c'est très très difficile, voilà, de vous séparer de ces personnes, parce que ces personnes qui sont possédées par cet esprit-là, lorsque vous sortez avec ces personnes-là, l'esprit s'agrippe à votre cœur. Partagez, mettez le cœur. Je dis, l'esprit s'agrippe à votre cœur. Vous voyez, Samson, il savait très bien que Delila était une Philistine. Il savait très bien qu'elle était une prostituée. Samson savait très bien qu'elle était une prostituée de luxe. Elle sortait avec les princes des Philistins. Il le savait. Alléluia. Mais lorsqu'il est parti avec elle, à un moment donné, il a perdu le contrôle. Donc, si vous sortez avec quelqu'un qui est animé d'un esprit de sirène des eaux, vous allez perdre le contrôle. Vous allez perdre le contrôle de votre personne. C'est pour ça que vous allez voir généralement des pères de famille. Alléluia. Des pères de famille qui sont sortis avec des jeunes filles, ont vu leur mariage brisé, ont vu leur foyer détruit. Des pères de famille qui sont sortis avec des jeunes filles possédées par l'esprit des eaux, voyez, ont quitté leur domicile conjugal. Vous allez voir que des pères de famille qui sortent avec ces filles-là perdent, alléluia, le contrôle jusqu'à ce que, voyez, souvent un homme, voyez, des gens qui sont mariés, ils peuvent être mariés depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, souvent même depuis 40 ans, souvent même depuis 50 ans. Mais s'ils tombent sur ces personnes possédées par ces esprits-là, ces personnes sont capables de mettre fin au mariage. Pourquoi? Parce que le rôle de cet esprit-là, cet esprit n'aime pas le mariage. C'est un esprit qui n'aime pas le mariage. C'est un esprit qui n'aime pas tout ce qui est légal. C'est un esprit qui n'aime pas la légalité. Alléluia. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui de plus en plus, alléluia, il y a des jeunes filles possédées par cet esprit. Il y a aussi des jeunes hommes possédés par cet esprit. Alléluia. Vous allez voir que de plus en plus, que ce soit en Afrique, même ici, alléluia, vous allez voir qu'il y a des jeunes filles qui ont des pactes avec cet esprit-là. Alléluia. Mettre des choses dans leur sexe, mettre des pommades sur elles, mettre des choses dans leur langue. Alléluia. Et si par mégarde, par mésaventure, vous tombez sur ces personnes et que vous sortez avec ces personnes-là, automatiquement quelque chose va arriver dans votre vie. Je vous ai raconté ici que j'ai ici un fils spirituel qui était allé à Abidjan dans l'intention de se marier. Il est tombé sur une jeune fille, voilà, et il aimait la jeune fille et il a décidé de faire le mariage et tout ça. Mais cette jeune fille-là était une princesse de la sirène des eaux, lui ne savait pas. Alléluia. Et lorsqu'il a marié cette jeune fille qu'il a fait venir ici en France, elle ne dormait pas la nuit. Allez, je vous ai expliqué ça. Elle ne dormait pas la nuit. Et lorsqu'elle arrivait ici, tout ce que la jeune fille lui demandait, elle lui donnait cela. À un moment donné, il a commencé à s'endetter. Si vous tombez sur une fille, alléluia, qui est animée de cet esprit-là, votre cœur sera dompté. Et tout ce que vous allez demander, tout ce qu'elle va vous demander, vous allez donner cela. Il y a un homme de Dieu qui a rendu un témoignage. Je vais rendre ce témoignage ici. Voilà, il s'agit de l'évêque Sidney. Il disait que il y a une jeune fille, il a fait la délivrance, voilà, d'une jeune fille, que le nom du Seigneur soit béni pour la vie de ce éminent homme de Dieu. Il dit qu'il a fait la délivrance d'une jeune fille, voilà, et cette jeune fille là est venue le voir dans son bureau. Et lorsqu'elle est arrivée dans son bureau, il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire. Il lui a dit, ah vraiment, je suis venu me confesser, me confier à toi, parce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui me suit, et ce que j'ai fait, ça fait que je ne peux pas dormir. Elle était arrivée dans une grosse voiture, une jeune fille qui devait peut-être avoir entre 18 et 21 ans, mais elle est arrivée dans une grosse voiture, mais elle est venue lui dire que vraiment, évêque, je n'arrive pas à dormir, je suis venue me confier à toi parce que j'ai fait quelque chose qui me suit. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit qu'elle est allée au Bénin et elle a fait un pacte avec la sirène des eaux. Et lorsqu'elle allait voir le vaudou, c'est-à-dire que l'agent, le prêtre de la sirène des eaux, il lui a dit, vers minuit, il faille qu'elle parte au bord de la mer, qu'elle se mette à Kaloufouchon, c'est-à-dire à quatre pattes. Il y a un esprit qui va sortir de l'eau. Il ne faut pas qu'elle regarde.
Voilà. Mais cet esprit-là va sortir avec elle. Et lorsque cet esprit-là va sortir avec elle, si elle regarde un homme dans les yeux, elle fixe un homme dans les yeux, tout ce qu'elle va demander à cet homme-là, l'homme-là va lui donner. Donc, effectivement, elle était à Califouchon, voilà, au bord de la mer à minuit, lorsque elle a entendu un esprit sortir des eaux. Elle dit que cet esprit-là, il bêlait comme un bœuf. Voilà, il brûlait comme un bœuf. Et cet esprit a eu des rapports avec elle. Voilà, il a eu des rapports avec elle. Et le pacte, c'est que chaque année, elle devait revenir, voilà, pour assurer ce pacte qu'elle avait fait. Chaque année. Elle dit que quand elle arrive dans un bar à Abidjan, que tu sois DG, que tu sois, je ne sais pas, mais si tu es par méga, tu es dans le bar, si elle pose les yeux sur toi, tu es obligé d'aller dormir avec elle la nuit là. Écoutez-moi bien, aimé du Seigneur, je vous parle d'une réalité spirituelle importante. Partagez, mettez les cœurs, touchez le maximum de personnes. Partagez, mettez les cœurs. Elle dit que quand elle demande quelque chose, c'est-à-dire que si elle soit avec quelqu'un, si elle lui demande quelque chose, que ce soit 1 million, 10 millions, 15 millions, tant que la personne ne lui donne pas ça, cette personne n'est pas en paix. Donc, elle a eu toutes ces sommes-là. Mais vous voyez, quand le pacte a commencé à finir, l'esprit-là lui apparaissait. Voilà, ça veut dire que il a le haut d'un taureau, voilà, le corps d'un taureau, et puis en bas, il a des sabots, et puis il est mi-homme, mi-taureau. Il lui apparaissait. Et il venait coucher avec elle. Et cet esprit-là lui a dit, il faille que tu répartes faire le pacte. Il faille que tu répartes faire le pacte. Voilà. Et à un moment donné, elle est là comme ça. Elle a commencé à bêler comme un bœuf. Elle a commencé à bêler comme un bœuf. Et lorsqu'il a fait sa délivrance, il dit qu'il entendait beurre, 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 beurre. Pourquoi? Parce que cet esprit-là. Et elle lui a dit, vraiment homme de Dieu, je suis fatigué. Je ne veux plus de... Elle avait des maisons, des voitures, je ne veux plus de tout ça parce que je n'arrive pas à dormir la nuit, parce que même quand elle dormait, elle se retrouvait dans les fonds marins. Donc, vous voyez, c'est un esprit, voilà, qui vous promet la richesse, c'est un esprit qui vous promet, voilà, qui vous promet de bien vivre, le bien-être, mais cet esprit-là est à base d'impact. Et lorsque cet esprit-là rentre dans votre vie, cet esprit-là détruit votre vie. Vous voyez cette jeune fille-là, voilà, et il y a des gens qui sortent avec elle, mais ils ne savaient pas qu'en réalité, elle était devenue ce qu'on appelle un hôtel mobile. Alléluia, un hôtel mobile de la sirène des eaux. Il y a des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont ce qu'on appelle des hôtels mobiles de la sirène des eaux. C'est quoi un hôtel mobile? Un hôtel mobile, ce sont des personnes qui portent la sirène des eaux en elles. Alléluia. Elles peuvent être un garçon ou une femme. Si vous couchez avec elle, c'est comme si vous couchez directement avec la sirène des eaux. Vous allez voir que votre cœur va s'attacher à ces personnes. Vous allez commencer à faire des songes. Et dans ces songes-là, vous allez vous retrouver dans l'eau. Alléluia. Donc, si tu es là, que tu fais des songes, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Si tu es là, que tu fais des songes, que tu te retrouves dans l'eau, ça veut dire que soit dans ta famille, il y a des adorations des eaux, ou soit tu as couché avec quelqu'un qui est animé par cet esprit-là. Je vais reprendre. Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui est là. Toutes les fois où elle fait des songes, elle se retrouve dans l'eau. À chaque fois qu'elle fait des songes, elle se retrouve dans l'eau. C'est une femme. Donc, à la fin de ce message-là, rentre en contact avec moi pour que je puisse prier pour toi, te donner des orientations, des prescriptions pour voir comment est-ce qu'on va faire ta vie. Elle se trouve dans l'eau. Alléluia. Donc, si vous avez déjà couché avec ces personnes-là, vous allez vous retrouver à chaque fois dans vos rêves. Vous allez vous retrouver soit au bord d'une rivière, au bord d'un marigot, ou soit carrément dans les fonds marins. Alléluia. Vous allez vous retrouver dans les fonds marins. Donc, c'est un esprit de luxure. Toutes les personnes dont cet esprit-là agit dans leur vie ont un appétit sexuel incontrôlable. Hier, je vous ai parlé de nymphomanie. Vous voyez, ce sont des jeunes filles. Chaque jour, elles disaient à l'homme de Dieu que chaque jour, quand il est 20h ou les 22h, elles sont obligées de sortir. C'est-à-dire qu'elles ne dormaient pas la nuit. La nuit, là, elle est en bar jusqu'en matin. Quand elle sort, voilà, c'est dans la journée, elle dort. Vous voyez, donc c'est un esprit. La plupart des personnes qu'elle possède, ces personnes-là n'arrivent pas à dormir la nuit. C'est-à-dire que la nuit, c'est pour ça que nous qui sommes les hommes de Dieu, qui avons la révélation, voilà, le Seigneur nous demande de prier les nuits. C'est la nuit qui est le temps du combat. Alléluia. Et donc, vous allez voir que ces esprits-là se manifestent généralement les vendredis. Cet esprit-là se manifeste généralement les vendredis. Vous voyez, les vendredis, cet esprit se manifeste. Alléluia. Jusqu'au samedi, cet esprit-là se manifeste. Donc, il y a ce qu'on appelle la nymphomanie. C'est quoi la nymphomanie? La nymphomanie, c'est le fait d'avoir un appétit sexuel incontrôlé. Le fait d'avoir un appétit sexuel incontrôlé. Il y a des personnes, elles peuvent sortir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes par jour. Elles n'ont pas de satisfaction. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas de satisfaction.
On avait une fille comme ça, elle est venue, elle a vu maman pour dire à maman, mon problème c'est que quand je vais avec un homme, je ne suis pas satisfait. Vous voyez, quand je vais avec un homme, je ne suis pas satisfait. Donc si tu es là et que tu as un problème d'insatisfaction sexuelle, ça veut dire que la sirène des eaux agit dans ta vie. Et cet esprit-là doit être chassé. Parce que si on ne chasse pas cet esprit-là, ça va mettre en péril ton couple. Vous voyez, il y a des couples où l'homme, par exemple, il décide de quitter la maison. Pourquoi? Ou la femme décide de quitter la maison parce que tous les jours, c'est la personne dans le couple, soit le mari ou la femme, exige des rapports sexuels. Chaque jour, elle exige des rapports sexuels. C'est vrai, je vous ai dit hier que les rapports sexuels, c'est un cadeau, un don que Dieu a donné aux hommes, mais qui doit se passer dans un cadre précis qui est le mariage. Alléluia. Mais Dieu dit qu'on ne doit pas avoir d'incontinence. C'est-à-dire que si vous sortez ensemble tous les jours, le diable peut venir s'aimer là-dedans et ça va faire que vous allez commencer à rentrer dans des déviations. Alléluia. Et donc, cet esprit-là, alléluia, je vous ai dit que cet esprit amenait la nymphomanie. Il y a des hommes nymphomanes comme il y a des femmes nymphomanes. Alléluia. Et donc, si vous avez quelqu'un qui dit qu'il a des copines à gauche, à droite, si vous avez une femme qui dit qu'elle gère des mouvements, c'est-à-dire que moi j'ai un copain ici, j'ai cinq personnes que je gère, en réalité, ces personnes-là, elles ne gèrent rien du tout. Ces hommes ne gèrent rien du tout. En réalité, ils sont animés d'un démon, ils sont animés d'un esprit, que cet esprit-là, c'est l'esprit des eaux. Parce que je vous ai dit que lorsque cet esprit-là, vous faites un pacte avec cet esprit, dans l'intention de vous rendre riche, cet esprit-là va exiger de vous que vous ne vous mariez pas. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans des couples. Alléluia. Mais ces personnes-là ne peuvent pas se marier. Elles vont de divorce en divorce. C'est un esprit qui aime le divorce. C'est un esprit qui aime le trouble dans les foyers. Si tu es là, que tu ne comprends pas que dans les foyers, à chaque fois que tu as un couple, tu as un foyer, qu'il y a des troubles, voilà, il y a des mésententes parce que c'est un esprit qui est très coléreux. C'est un esprit qui est très coléreux. Vous voyez, là où il y a la sirène des eaux, la personne animée par la sirène des eaux, voilà, c'est les paroles qui vont sortir de sa bouche là. Ça va être des paroles sales, des injures. Alléluia. Quand une personne est animée d'un esprit de sirène des eaux, si tu sors une parole, tu vas te laver cinq fois, tu ne seras pas propre. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sirène des eaux aime qu'on la batte, aime qu'on la frappe. Alléluia. Voilà. Donc c'est un esprit, en plus d'être un esprit nymphoman. Alléluia. Mami, comment on appelle ça? C'est qui aime qu'on les frappe là? Comment on appelle ça? Voilà, c'est un esprit maso. Alléluia. Donc, ça peut être soit un homme, voilà, c'est le masochisme. Ça peut être soit un homme, une femme, mais dans le masochisme. Alléluia. Et donc, elle introduit ce qu'on appelle une vie sexuelle débridée, comme je vous ai dit, une vie sexuelle débridée. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des rapports sexuels homme-femme. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels, une vie débridée. Alléluia. Ils n'ont pas une orientation précise parce que cet esprit-là, lorsqu'il rentre dans la vie des hommes, il crée ce qu'on appelle la perversion sexuelle. C'est un esprit qui crée la perversion sexuelle. Cet esprit-là, lorsqu'il vous possède, il peut vous demander d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Il peut vous demander d'avoir des rapports sexuels avec les enfants. Alléluia. Vous allez voir que généralement, tous ceux qui ont des pactes avec cet esprit-là, vous voyez, il y a certains hommes de Dieu qui ont des pactes avec cet esprit-là. Voilà, beaucoup aujourd'hui sont en prison ou beaucoup aujourd'hui ont des problèmes parce que vous allez voir qu'on retrouve ces hommes-là en train de sortir avec des mineurs. Et souvent, on me pose la question de savoir, mais comment un homme de Dieu, comment un homme vraiment sensé peut sortir avec une petite fille de 4 ans, de 5 ans ou sortir avec une fille de 11 ans, de 12 ans, c'est cet esprit-là. Lorsqu'elle vous possède, elle prend votre sens. Donc, vous ne pouvez pas résister face à cela. Ce que les hommes trouvent anormal, cet esprit va vous amener à trouver cela normal. Si tu es là, mets amen, mettez les cœurs et puis j'avance. Je vous parle des manifestations. Comment cet esprit-là se manifeste? Comment il se manifeste? Voilà, partagez, mettez les cœurs et on continue. Partagez, mettez les cœurs. Comment l'esprit de sirène des eaux se manifeste? Alléluia. Comment cet esprit se manifeste? Voilà, je vous ai dit qu'elle introduit ce qu'on appelle des rapports sexuels débridés. Des rapports sexuels débridés. Alléluia. Voilà. Et c'est, elle travaille avec des sous-démons. Des sous-démons qui sont l'esprit de Python, l'esprit de fornication, l'esprit d'impudicité. Voilà le masochisme. Voilà. L'esprit d'impudicité. Elle travaille avec les démons d'adultère. Alléluia. Elle travaille avec des sous-démons. C'est-à-dire qu'elle a des petits démons avec lesquels elle travaille. Donc, vous voyez, et c'est un esprit qui adore les hommes qui sont oints. Alléluia. Là où on dit une personne a le Saint-Esprit, là où on dit une personne est oint de Dieu,
Voilà, cet esprit-là aime les gens qui sont oints. Parce que lorsque dans le monde spirituel, un oint tombe, elle arrive à faire tomber un oint dans les fonds marins, il y a fête. Voilà, je dis, c'est un esprit qui aime les oints. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive à faire tomber un oint, comme Delilah, vous voyez, à faire tomber Samson, vous voyez, il y a eu fête chez les Philistins. Il y a eu fête, ils sont allés dans le temple de Dagon, ils sont allés faire des sacrifices, ils sont allés faire des offrandes pour dire que Dagon a fait tomber leur ennemi qui est Samson. Alléluia. Donc c'est un esprit qui aime les oints. Si vous êtes un oint ou une oint, une servante oint de Dieu, vous devez faire attention à votre vie parce que dans le monde des ténèbres, on va mandater cet esprit-là contre vous. Alléluia. Ça veut dire que le premier danger d'un ministère, le premier danger d'un homme d'affaires, le premier danger d'un homme qui est oint, parce que si Dieu vous a oint pour faire des affaires, si Dieu vous a oint pour le ministère, si Dieu vous a oint, ça veut dire que si Dieu vous a choisi et qu'il vous a donné une onction, vous allez voir même les chefs d'État, tous ceux que Dieu a oint, cet esprit-là, voilà, dans le monde des ténèbres, le diable, Satan les utilise contre ces personnes-là pour les faire tomber. Parce que vous savez, les hommes peuvent, c'est plus difficile, voilà, de faire tomber un homme de Dieu, voilà, qui a de l'expérience par le mensonge et par certaines choses. Mais cet esprit-là, voilà, si un homme de Dieu ne veille pas sur lui, cet esprit-là peut le faire tomber. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, et surtout à mes fils spirituels, ne rendez pas visite seul, voilà, à une fidèle. Ne rendez pas visite seul à une fidèle. J'ai l'habitude de dire aux gens, et ça, c'est l'éthique ministérielle qui en parle. Un homme ou une femme, surtout si tu es oint, vous deux, vous ne devez pas vous trouver ensemble dans la même maison. Regardez David. David était un roi qui était oint. Mais vous voyez, Bathsheba a fait tomber David et il a payé le prix. Alléluia. Si vous êtes un homme oint, si vous êtes quelqu'un sur la vie duquel Dieu a mis sa main, si vous êtes quelqu'un sur la vie duquel Dieu a mis son onction, le premier danger, ça veut dire que ce à quoi vous devez avoir peur, vous devez prier, c'est la sirène des eaux. Parce que dans le monde des ténèbres, là où il y a des oints, on mandate ces démons là pour les mettre sur les oints. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises, alléluia, voilà, dans les églises, il y a beaucoup de sirènes qui sont amenées dans les églises, dans l'intention de faire tomber les hommes de Dieu, dans l'intention de semer la perversion dans l'église. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup d'églises où vous allez voir que ces esprits là se manifestent pour amener la luxure. Parce que là où cet esprit se manifeste, alléluia, cet esprit-là empêche le Saint-Esprit de se manifester. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont faibles. Voilà, l'église est devenue faible. Pourquoi? À cause de la luxure. Vous voyez, quand vous lisez le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit que, vous voyez, l'église de Corinthiens est une église qui était une église particulière. Une église où les dons spirituels se manifestaient. Une église où l'onction de Dieu se manifestait, où la puissance de Dieu se manifestait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Corinthe? À l'église de Corinthe, un fils est sorti avec la femme de son père. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que c'est une impudicité que même chez les païens, on ne voit, on n'a pas vu chez les païens un fils prendre la femme de son père. Mais à l'église de Corinthe, il y a eu ça. Et vous allez voir que dans les églises, là où il y a une église, c'est pour ça qu'il doit avoir, dans les églises, il doit avoir un service d'intercession puissant, fort. Parce que si cet esprit-là travaille dans l'église, l'église va tomber. L'église va tomber. Alléluia. Donc, faites attention. Et comment cet esprit se manifeste? Cet esprit-là se manifeste dans une personne. Lorsque cet esprit entre dans une personne, cet esprit-là vous poussera à la masturbation. Cet esprit-là vous poussera à la pornographie. Alléluia. Cet esprit-là va vous pousser à des actes contre nature. Lorsque cet esprit-là rentre en vous, alléluia, il va vous pousser, voilà, à commettre la perversion sexuelle. Alléluia. Et donc, si vous êtes là, que vous avez des problèmes de masturbation, si vous êtes là, que vous avez des problèmes de pornographie, ça veut dire que cet esprit-là se manifeste dans votre vie, se manifeste dans votre vie, se manifeste dans votre vie. Alléluia. Je dis que c'est cet esprit-là, ce démon, parce que l'un des sous-démons de la sirène des eaux, c'est le démon de la pornographie. Elle travaille dans le domaine de la pornographie. Dans cette industrie-là, elle travaille puissamment. Parce que si la pornographie crée ce qu'on appelle une addiction, là où il y a des addictions, vous savez, en force de regarder les films pornographiques, ça peut créer une addiction dans votre cœur. Alléluia. Et beaucoup sont addicts aux films porno. Vous allez voir, que ce soit des hommes qui occupent un grand rang, voilà, directeur de société. Vous allez voir toutes les couches de la société, même pasteur. Si vous êtes addict, vous allez voir dans leur téléphone, il y aura forcément de la pornographie. Pourquoi? Parce que lorsque cet esprit-là agit par la pornographie, cet esprit-là va vous pousser
ensuite aller vers des prostituées. Alléluia. Si tu es là, tu mets amen et je continue. Tu mets amen et je continue. Vous allez voir que tous ceux qui sont animés et possédés de cet esprit-là, ils ont un goût très poussé pour le luxe. Un goût très poussé pour le luxe. Alléluia. Un goût très poussé pour le luxe, vous voyez. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette dame qui allait voir l'homme de Dieu pour rendre son témoignage. Cette dame-là, elle a dit à l'homme de Dieu que beaucoup de filles, beaucoup de femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, voilà, elle lui a dit même les noms. Mais l'homme de Dieu n'a pas voulu faire sortir les noms. Et elle lui a dit que beaucoup de ces femmes-là, voilà, on impacte avec la sirène des eaux. C'est pour ça que faites attention. Si vous voyez par exemple quelqu'un sur les réseaux sociaux venir se vanter des biens qu'il a, de ses voitures, venir se vanter de ses maisons, venir se vanter de tout ce qui est luxe, venir se vanter de tout ce qui est luxe, faites attention à ces personnes-là. Alléluia. C'est vrai, Dieu peut vous bénir et ça peut vous donner, voilà, de rendre témoignage, par exemple, parce que Dieu vous a donné une voiture, Dieu vous a donné une bénédiction. Alléluia, pour glorifier le nom de Dieu. Mais si tous les jours, vous voyez quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, il a payé une montre, il est sur les réseaux sociaux, il a payé une chemise, il est sur les réseaux sociaux, il a payé une ceinture, il est sur les réseaux sociaux, une personne, vous voyez, aujourd'hui, il y a des jeunes femmes sur les réseaux sociaux, non, elles vont en voyage, voilà, elles montrent le rêve et tout ça, c'est cet esprit-là qui agit en elles. C'est cet esprit-là qui agit en elles. Faites très, 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 très attention. C'est pour ça que je dis que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne doivent pas être vos modèles. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, voilà, ne doivent pas être vos idoles. L'idole, c'est Jésus-Christ. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que souvent, vous ne savez pas le prix que ces personnes-là payent pour arriver jusqu'à là. Regardez cette jeune femme-là qui allait au bord de la mer à minuit. Alléluia. À minuit, et une bête est sortie de l'eau, voilà, venue coucher avec elle. Une bête qui avait la face d'un taureau, alléluia, qui avait des sabots, le buste d'un homme, et puis en bas, elle a des sabots, venu coucher avec elle. Regardez un peu, alléluia. Donc, faites très, très, très attention. Je vous en prie, faites attention parce que vous pouvez briser votre vie. Si vous rentrez en contact, alléluia, avec quelqu'un qui est animé de cet esprit-là, voilà, votre vie va être détruite. Vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui de notre jeune sœur. Voilà, ce n'est pas au départ, c'est pas parce qu'elles étaient des prostituées, mais elles ont rencontré des gens avec lesquels elles ont couché qui étaient animés de cet esprit-là. Et lorsqu'elles ont fini de coucher avec ces personnes-là, automatiquement, l'esprit de prostitution est rentré en elles. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait la délivrance comme ça. Quand j'ai pris des jeunes sœurs et j'ai discuté avec elles qui étaient dans ce métier-là, je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce métier-là? Elles ne pouvaient pas répondre. Alléluia. Et c'est cet esprit-là, alléluia, qui est à la base de tout ce qui est drogue. Alléluia. Tout ce qui est drogue est la base de tout ce qui est drogue. Alléluia. Parce que cet esprit-là agit dans la grande perversion. Donc, elle est à la base de tout ce qui est drogue. Elle est à la base des industries, comme je vous ai dit, industrie cosmétique, toutes ces industries-là. Alléluia. Voilà. Mais à la base des drogues, si vous partez acheter des mascaras, vous partez acheter, je ne sais pas, des fossiles, vous partez acheter des parfums, tout ça, alléluia. Moi, je ne suis pas contre le fait que les femmes doivent être belles. Mais je dis que vous devez prier, vous devez chasser les esprits, alléluia. Parce que tout est sanctifié par la parole. Si vous priez, vous chassez les esprits, alléluia, il n'aura pas d'impact sur votre vie. Mais si vous partez prendre des choses, vous portez des choses sans prier, votre cœur sera touché. Alléluia. Cet esprit-là est à la base de la drogue. Parce que vous voyez, là où il y a la drogue, il y a la grande criminalité, il y a la prostitution. Là où il y a la drogue, il y a la grande criminalité, il y a la prostitution. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Partagez, mettez le cœur. Et vous allez voir une chose. Amen. Je vais encore donner un témoignage. Amen. Donner un témoignage. Amen. Voilà. J'ai prié aussi pour une jeune dame, amen, voilà, qui, sa mère était allée avec son ami à un fleuve, voilà, dans un pays. Et dans le fleuve, là, il y a un poisson qui est sorti de l'eau, qui a commencé à parler. Et le poisson a prophétisé sur leur vie. Il leur a dit, toi, tu auras deux filles, toi, tu auras deux enfants. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Lorsque j'ai rencontré la jeune fille, je lui ai dit que le Seigneur me révélait que cet esprit-là travaillait. Au début, elle voulait se cacher. Après, elle est venue me dire, lorsque cet esprit-là agit dans votre vie, la jeune fille, aujourd'hui, elle a des pères, elle a trois enfants. Et les trois enfants sont de pères différents. Alléluia. Trois enfants de pères différents. Alléluia. Donc, si cet esprit-là agit dans votre vie,
vous allez voir que vous allez faire des enfants, mais des enfants seront de pères différents à chaque fois. Des enfants de pères différents à chaque fois. Des enfants de pères différents. C'est-à-dire que vous allez voir, quand cet esprit-là agit dans votre vie, vous allez rencontrer quelqu'un. Et au début, ça va être bien, mais pour rien, pour peu, la personne vous quittera. Pour rien, pour peu, la personne vous quittera. Donc, c'est important, important de faire la délivrance. Si vous ne faites pas la délivrance, alléluia, vous allez en souffrir. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des difficultés. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont dans des problèmes. Ces problèmes-là, parce qu'elles ne savent pas. Voilà, non, pasteur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? À chaque fois qu'un homme vient me voir, voilà, cet homme-là finit par me quitter. Alléluia. Mais c'est cet esprit-là qui fait ça. Amen. Cet esprit-là va vous pousser à coucher avec les gens. Mais cet esprit-là va tout faire pour que ces gens-là ne vous marient pas. Alléluia. Et vous voyez, il y a des gens qui sont conscients de cela, qui savent qu'eux, ils veulent avoir la richesse et ils veulent avoir la grâce. Il y a aussi un autre témoignage d'une jeune fille, alléluia, voilà, dans un pays, je ne dirai pas le nom du pays, le père était un adorateur de la sirène des eaux et la sirène des eaux exigeait au père de coucher avec sa propre fille. Alléluia. Et le père, là, il couchait, c'est-à-dire que la mère était au courant que le père couchait avec la fille. Alléluia. Je ne vous parle pas d'une histoire vraie. Voilà. Dans un pays, alors, de l'Afrique centrale, où j'étais parti, le père couche avec la fille. C'est-à-dire que la mère même, là, elle s'en va voir sa fille pour lui dire qu'il faut que tu couches avec ton père. Parce que c'est ça qui maintient notre richesse. Regardez un peu le niveau de perversion que cet esprit-là peut entraîner. Cet esprit-là est la base de l'inceste. Alléluia. Là où il y a l'esprit de la sirène des eaux, il y a l'inceste. C'est cet esprit-là qui fait que un frère et une soeur couchent ensemble. Cet esprit-là qui fait qu'un père et un fils, un père et une fille couchent ensemble, ou une mère et une fils et un fils couchent ensemble. Alléluia. Et donc, si vous êtes là, que vous avez déjà commis l'inceste, alléluia, je pense que Dieu vous fait la grâce en parlant de ces choses d'ouvrir vos yeux afin qu'il ait la délivrance. Je dis, Dieu vous fait la grâce en vous parlant de ça, d'ouvrir vos yeux afin que vous puissiez faire la délivrance. Parce que vous voyez, c'est cet esprit-là qui fait que, vous voyez, lorsque les enfants sont petits, alléluia, dans la maison, vous allez voir que deux petits garçons vont commencer à mimer l'acte sexuel, deux jeunes filles vont commencer à mimer l'acte sexuel. Les gens vous diront que c'est normal, ce sont les hormones. Non, ce n'est pas normal, ce ne sont pas les hormones. Alléluia, parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et Dieu veut que nos enfants soient préservés jusqu'à ce qu'ils se marient. Donc, je vous ai dit que là où cet esprit se manifeste, il n'y a pas de mariage. Là où cet esprit se manifeste, il y a le célibat. Alléluia. Voilà, cet esprit-là travaille aussi avec le démon de célibat. Amen. Cet esprit-là travaille avec le démon de célibat. Donc, voyez, en gros, je vous ai expliqué un peu comment cet esprit se manifeste. Comment cet esprit se manifeste. Voilà, il y a beaucoup de cas, mais si je vais citer tous ces cas-là, ça va être difficile. Alléluia. Et je veux parler de quelque chose qui est important. Parler de quelque chose qui est important. Alléluia. Les personnes, voilà, pour ceux qui font la délivrance, je vais essayer de faire un petit cadeau. Toute personne animée de cet esprit-là, alléluia, a un hôtel mobile. Et l'hôtel mobile, alléluia, peut être à trois parties du corps. Trois parties du corps. L'hôtel mobile peut être à trois parties du corps. La première partie, ça peut être les yeux. Vous allez voir qu'il y a une catégorie de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, alléluia, qui entretiennent que les yeux. Amen. Qui entretiennent que les yeux. Amen. Et ces personnes-là savent qu'elles ont un hôtel mobile à partir des yeux. Ces personnes-là, si elles vous fixent du regard, animées par cet esprit-là, alléluia, vous allez voir que vous ne pouvez pas résister. Amen. Voilà, vous n'allez pas pouvoir résister. Et il y a encore une autre partie qui est le cordon ombilical. Vous allez voir que beaucoup aujourd'hui, que ce soit les artistes, voilà, les artistes et musiciens, de plus en plus, qu'elles soient en Europe, vous allez voir que quand elles s'habillent, elles laissent la partie du cordon ombilical ouverte. Elle laisse le ventre ouvert. Alléluia. Elle laisse le ventre ouvert. Alléluia. Et donc, vous voyez, lorsque il y a des personnes qui laissent le ventre ouvert, le ventre là, c'est un hôtel mobile. Si vous commencez à fixer leur ventre, vous commencez à regarder leur ventre, alléluia, quelque chose peut se passer dans votre cœur. Il y a aussi le bassin. Alléluia. Vous allez voir que ces personnes animées de cet esprit-là aiment s'habiller de manière légère. C'est-à-dire qu'elle va s'habiller, elle va montrer que son bassin. Elle va montrer, voilà, que ses fesses, que son bassin. C'est-à-dire que quand elle va s'habiller, elle va porter des choses moulantes. Elle va porter des choses pour que le regard des gens puisse se fixer, voilà, sur son bassin. Alléluia. Donc, faites attention. Vous voyez, une chrétienne s'habille de manière chaste,
de manière normale. Quand on est une chrétienne, on s'habille de manière chaste, on s'habille de manière normale. Alléluia. Donc, faites attention. Si vous êtes en face d'un homme ou en face d'une femme, alléluia, et quand c'est le jeune homme aussi, vous allez voir que lorsque les personnes que cet esprit-là anime, voilà, vont passer leur temps dans les salles de muscles, vont passer leur temps dans les salles de muscles et passeront leur temps à montrer leurs muscles. Alléluia. Donc, vous allez voir une catégorie de jeunes hommes. Alléluia. Parce que lorsque cet esprit-là agit dans la vie des jeunes hommes ou des jeunes filles, elles font ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Vous allez voir, elles deviennent gigolos. Voilà, des jeunes qui sont gigolos. Voilà, ça veut dire qu'il est là, mais il se fait entretenir par les femmes. Il ne veut pas travailler. Il se fait entretenir par les femmes. Vous allez voir une jeune fille, elle ne veut pas travailler. Elle se fait entretenir, alléluia, par des hommes. Amen. Donc, maintenant, comment vaincre cet esprit? Amen. Je vais prendre la Bible. Je vais prendre la Bible. Je vais prendre la Bible. Amen. Moi, c'est Manuel, il faut noter Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 1 à 20. Je vais prendre la Bible et je vais lire rapidement. Ésaïe 44, comment vaincre cet esprit? Ésaïe 44. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Il dit, écoute maintenant, au Jacob, mon serviteur, aux Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol atterré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme le sol près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob et cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Vous allez lire ça après, mais vous allez voir quoi. Dans le texte que j'ai pris, vous allez voir que pour vaincre cet esprit-là, alléluia, vous devez appartenir à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Alléluia. Je dis, vous devez appartenir à Dieu. Donnez, si vous n'êtes pas chrétien, vous devez donner votre vie au Seigneur. Un, appartenir à Dieu, voilà, donner votre vie au Seigneur. Et puis deux, vous devez faire la repentance. Vous devez faire la repentance, alléluia, de l'idolâtrie. C'est-à-dire que si dans votre famille, il y a des adorations des eaux, si vos parents ont adoré des eaux, alléluia, vous devez faire des repentances selon que Dieu a écrit en Ésaïe chapitre 20, qu'il maudit au verset 4, s'il maudit sur 4 générations tous ceux qui sont dans l'idolâtrie. Donc vous devez faire la repentance. Alléluia. Voilà, faire la repentance de ce que Dieu a dit en Exode chapitre 20. Il maudit sur 4 générations tous ceux qui sont dans l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le fait, voilà, d'adorer des choses et de conférer la place de Dieu à ces choses qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Donc quand vous regardez dans le texte que nous avons pris en Actes chapitre 19, voilà, au verset 28, ils disent quoi? Diane est la grande. Vous voyez, Diane est la grande. C'est-à-dire que la sirène des eaux est la grande. La sirène des eaux ne peut jamais être la grande. Satan ne peut jamais être, parce que c'est une créature. Et toutes les fois où nous donnons la place de Dieu à une créature, le Dieu est jaloux. Il est jaloux de sa place. Alléluia. Donc s'il y a un péché que Dieu n'aime pas, s'il y a un péché que Dieu est, c'est l'idolâtrie. Donc vous devez demander pardon pour tous les péchés d'idolâtrie commis dans votre maison par vos pères. Amen. Donc, je dis que vous devez appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prendre conscience que cet esprit-là agit en vous. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai parlé de cet esprit, j'ai parlé de ces manifestations, de sorte que vous puissiez comprendre, est-ce que dans votre vie, il y a ces manifestations-là? Est-ce qu'il y a ces manifestations? S'il y a ces manifestations, ce que j'ai dit, vous pouvez regarder après la vidéo, si vous voyez ces manifestations, ça veut dire que cet esprit agit en vous. Et donc, d'abord, vous devez prendre conscience. Donnez votre vie au Seigneur. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas un homme consacré, un homme qui a donné sa vie au Seigneur, alléluia, cet esprit-là, c'est un esprit qui est coriace. Un esprit coriace, difficile à vaincre. Difficile à vaincre parce que je vous ai dit que cet esprit-là aime des gens qui sont loin. Donc c'est un esprit qui est coriace.
Donc, d'abord, comprendre que vous avez cette difficulté parce que la délivrance est une action personnelle. Alléluia. On ne peut pas faire de délivrance si on n'a pas choisi de faire la délivrance. Parce que vous voyez, la difficulté, c'est que des gens viennent à la délivrance, des gens viennent à la retraite spirituelle, mais ils ne viennent pas avec leur cœur. Ils viennent parce qu'on leur a dit non de venir. C'est-à-dire que, par exemple, à la maison, papa, maman, mais souvent même le pasteur peut dire, ah toi viens à la retraite. Mais si vous n'avez pas accepté, au niveau du cœur, la porte, il y a une porte au niveau du cœur, cette porte-là sera fermée. Et si cette porte-là est fermée, le pasteur a beau crier, a beau proclamer, a beau commander, cet esprit ne sortira pas. Amen. Donc, vous devez vous-même accepter que vous êtes fatigué et chargé. Acceptez que cet esprit-là vous fatigue. Amen. Et quand vous acceptez que cet esprit-là vous fatigue, alors vous demandez pardon à Dieu par la repentance. Et quand vous avez fini de demander pardon à Dieu par la repentance, vous réclamez le sang de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que le sang de Jésus efface toute iniquité, tout péché. C'est à partir de ce moment-là que s'il y a un homme de Dieu qui est oint pour la délivrance, cet homme de Dieu-là, par des prières agressives, cet homme de Dieu-là, par des proclamations, par des prières de commandement, va expulser cet esprit-là de votre corps. Alléluia. Parce que, vous voyez, tant que cet esprit n'est pas expulsé de votre corps, l'influence, vous savez, une personne qui est sous l'influence d'un esprit, alléluia, tant que cet esprit-là n'est pas expulsé, cette personne ne peut pas être en paix. Alléluia. Je dis, comment vaincre cet esprit? Écoutez-moi, il y a quelque chose d'important dont je n'ai pas parlé. Voilà, Dieu, le Saint-Esprit me ramène ça. Cet esprit-là est à la base de la stérilité. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes stériles. Alléluia. Parce que cet esprit-là est dans leur vie. Elle est à la base de la stérilité. Elle est à la base des fausses couches. Elle est à la base de tout ce qui est maladie génitale. Elle est à la base de tout ce qui est fibrome, qui c'est toutes ces choses. Alléluia. Donc, si cet esprit-là, l'influence de cet esprit agit dans votre vie, ça va être difficile. Amen. Amen. Donc, acceptez la délivrance. Voilà. Et acceptez de reconnaître que cet esprit agit et renoncez à la fin à cet esprit-là. Renoncez à cette alliance. Parce que, vous voyez, je vous ai expliqué que cet esprit peut agir dans votre vie par un lien de sang. Pas un lien héréditaire ou le lien ombilical, comme on a l'habitude de dire, mais cet esprit peut agir aussi dans votre vie par un péché personnel. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu des rapports sexuels avant le mariage. Alléluia. Vous avez eu des rapports sexuels avec une personne qui était sous l'influence de cet esprit-là. Tant que vous ne renoncez pas, il aura ce qu'on appelle des traces en vous. Cet esprit-là va se manifester. Donc, vous devez divorcer avec cet esprit-là. Parce que lorsque cet esprit vient dans le cœur d'un homme ou dans le cœur d'une femme, à créer ce qu'on appelle un mariage spirituel. Alléluia. Ça crée ce qu'on appelle un mariage spirituel. Et donc, Dieu nous a donné l'onction pour chasser cet esprit-là. Donc, je vous ai expliqué les différentes étapes afin que vous puissiez comprendre. Amen. Voilà. Et généralement, lorsqu'on fait la délivrance, voilà, les personnes animées de cet esprit-là, vous allez voir que ces personnes-là se coupent comme un poisson. Se coupent comme un poisson. Alléluia. Voilà. Là, nous sommes en direct. C'est très difficile. Voilà. Mais nous avons, comme je vous l'ai dit, une retraite spirituelle à faire le 30. Le 30, vendredi 30 juillet. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Voilà. On va donner l'affiche. On va faire l'affiche à partir de la semaine prochaine. Inscrivez-vous. Ça sera une retraite payante, 100 euros. Voilà. Inscrivez-vous. Et on va vous aider. Maintenant, je vais prier. Alléluia. Je vais prier 2-3 minutes. Voilà. Si je vais prier pour des personnes, est-ce que si tu es là, est-ce que tu as un problème personnel? Mets ça, je vais prier pour toi. Si tu as un problème personnel, de tout ce que je dis, si tu as un problème personnel, voilà. Mets ça, je vais prier pour toi si tu es là. Parce que comme je vous disais au départ, si tu es là, que tu dors, que tu te retrouves dans les eaux, je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un qui se retrouve dans les eaux. Et puis, je vais prier pour la prière finale. On va se retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler des maris de nuit et des femmes de nuit. Alléluia. Des maris de nuit et des femmes de nuit la semaine prochaine. Amen. Voilà. Et donc, si tu es là, que tu dors, que tu te retrouves dans l'eau. Si tu es là, que tu dors, que tu te retrouves dans l'eau. Voilà, je vais répéter ça une dernière fois. C'est parce que Dieu me dit qu'il y a une personne qui est là. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui est là. Toutes les fois où elle dort, elle se retrouve dans l'eau. Toutes les fois où tu dors, quand tu fais des rêves, tu
te retrouves dans l'eau. C'est pour toi que je suis en train de parler. Si tu es là, mais papa, c'est moi, je vais prier pour toi. Voilà, mais papa, c'est moi, je vais prier pour toi. Quand tu dors, tu te retrouves dans l'eau. Mais c'est moi, je vais prier pour toi. Parce que si tu ne mets pas, c'est moi, je vais prier pour toi. Si après, tu me dis qu'un inbox me dit que c'est toi, je ne vais pas répondre. Donc, je vais prier. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Seigneur, tu nous as donné l'autorité, la puissance. Tu nous as donné, Seigneur, la domination sur le monde des ténèbres. Seigneur, je prie que toute personne qui est sous l'influence d'un esprit des eaux, qui m'amène sa vie, toute personne qui est sous cette domination, sous cette principauté, qui fait que sans cesse, Seigneur, elle recommence dans son couple, elle recommence dans son foyer, qui fait qu'elle n'a pas de stabilité matrimoniale. Seigneur, je prie maintenant, à l'instant même, que l'onction arrive jusqu'à cette personne, que cet esprit lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, le feu du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi et tu lâches prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, qui est sur ce direct, et que l'esprit agissait dans sa vie par la stérilité. Au moment où je lève la voix, je commande à l'esprit de lâcher tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, pour toute personne qui est sur ce direct, qui a un esprit, qui a cet esprit, Seigneur, qui agit dans sa vie sous la forme de la nymphomanie. Sirène des eaux, je commande au nom de Jésus. Tu lâches prise, tu arrêtes ton influence. Tu prends tes bagages et tu retournes dans les fonds marins au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour toute personne qui est sous l'influence de cet esprit, parce que dans sa famille, il y a eu des adorations des eaux et qui fait que cette personne a des difficultés, qui fait que cet esprit agit dans la vie, Seigneur, de ces personnes sous la forme de la pornographie, sous la forme de la masturbation. Au moment où je prie, je commande que cet esprit libère votre cœur et retourne dans les fonds marins. Au nom de Jésus, cet esprit libère votre cœur, retourne dans les fonds marins. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie au nom de Jésus, tout esprit de sirène des eaux qui agit dans le cœur, Seigneur, de quelqu'un qui écoute ce direct, sous la forme d'une jalousie exagérée, qui fait que cette personne, toutes les fois où elle est en couple, ne peut pas se maîtriser. Et cette jalousie détruit son couple. Au moment où je lève la voix, je prie que cet esprit libère ton cœur. Je dis, cet esprit libère ton cœur et lâche prise au nom de Jésus. À ma commande, cet esprit libère ton cœur et lâche prise au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tout esprit de sirène des eaux qui agit dans la vie de quelqu'un qui m'écoute sous la forme de l'esprit de séduction, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de séduction, tu libères la vie, Seigneur, de cette personne. Tu libères la vie de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, parce qu'au moment où je prie, Dieu ouvre mes yeux. Ça va être la dernière prière, je suis obligé d'arrêter à cause du temps. Alléluia. Au moment où je prie, Dieu ouvre mes yeux, me dit qu'il y a une personne qui est sur ce direct. Tu as fait un pacte avec un marabout. Ça veut dire que tu es allé voir un marabout et tu as couché avec le marabout dans l'intention que tu as d'avoir la richesse. Tu es là, tu es sur ce direct, dans l'intention d'avoir la richesse. Et depuis que ce marabout est sorti avec toi, c'est vrai que quand tu sois avec un homme, il te donne tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas rester avec les hommes. Alléluia, c'est à toi que je m'adresse. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit des eaux qui agit dans ce marabout, qu'il a semé en toi, que cette semence maintenant sèche au nom de Jésus. Je libère le feu de cette semence au nom puissant de Jésus. Et je commande que le feu du Saint-Esprit consume cette semence jusqu'à la racine. Sois libéré au nom de Jésus.